Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit check-up sur une lame de tarot. Donc j'ai pensé à cette proposition, donc j'espère que celle-ci vous plaira. Donc il s'avère qu'aujourd'hui la lame qui est ressortie avec mon pendule est la lame 9, donc la lame de l'ermite que tout le monde connaît. Et donc je vais commencer par un petit attrait donc numérologique qui va être bref. Donc le 9 qui signifie néos ou névos, qui veut dire donc nouveau. C'est le chiffre donc du renouvellement, comme on peut le savoir, mais c'est un chiffre aussi qui est mâle et qui est actif. Donc finalement c'est une fin pour un recommencement. Voilà numérologiquement ce qu'il peut signifier. Ensuite, au niveau de l'ermite, on peut dire que c'est une solitude qui est choisie et qui permet de prendre le temps de se ressourcer. Donc, on mène sa propre quête pour mieux se retrouver avant de retrouver les autres à travers cet arcane. Donc, on trouve ses appuis internes dans cette solitude nourricière pour finalement soutenir l'autre ou les autres. Donc, à travers cet arcane aussi, on se reconnecte à son passé pour favoriser son ancrage et on consolide son chakra de la base, c'est-à-dire son chakra racine. Voilà, on se mobilise à ses ressources mentales, qu'ils soient d'ordre philosophique, pardon, et intellectuel, pour développer son troisième œil. Ensuite aussi, avec cet arcane, donc, et l'ermite, on revient vers ses expériences, son vécu, pour en fait en retirer de belles leçons de sagesse pour son évolution dans son chemin d'âme. Mais il y a également, avec cet arcane, une transmutation de la mélancolie et de la tristesse. Voilà, parce qu'on peut le retrouver comme ça aussi également. Donc par rapport à l'amour, c'est sa plus grande initiation de la vie finalement. C'est un amour spirituel, un amour qui peut être totalitaire, à toute fidélité, à toute épreuve. Donc un amour absolu et exclusif. Donc, mais c'est aussi être soi sans tout ramener à soi, c'est-à-dire c'est savoir se ressourcer sans s'oublier. C'est faire l'expérience du silence pour vivre pleinement son introspection. Et à travers cette lame, donc, qui est l'ermite, on vous demande donc de vous sentir, d'être bien avec vous-même, de vous réconcilier avec vous-même. Cet arcane vous dit également que vous êtes capable d'agir par vous-même, qu'il est important de se ressourcer et de régénérer votre énergie, et que cette introspection qu'elle vous offre vous aidera à mieux diriger vos vies. Voilà. Donc, il vous est demandé également d'utiliser chaque jour votre pouvoir d'indépendance pour améliorer votre vie et ce monde. Voilà. Donc, c'est une lame qui est assez spirituelle, une lame qui est tournée donc globalement et synthétisément vers le passé. Donc, on revoit ses expériences passées pour en tirer des leçons et mieux avancer sur sa vie actuelle. Voilà. Donc, si cela vous plaît, je vous encourage donc à mettre un petit j'aime et puis je reviendrai donc quotidiennement. Enfin, j'essaierai quotidiennement de revenir avec des lames comme ça pour essayer de vous aider à comprendre le tarot et également pour vous aider à avancer sur votre chemin. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous et je vous laisse avec cet arcane.